Il y avait un château, construit entre 1861 et 1875 par le comte Marie Évariste d'Huguenot du Chastenay et la comtesse Henriette de Sainte-Marie d'Agneau et sa noblesse. Il y avait un sapin, survivant du passé et 350 hectares autour du château. La noblesse s'en va, la bourgeoisie la remplace. Georges Aubrun, notaire, acquiert le domaine de la Motte au gentilhomme. Il y avait des histoires. Et moi, fils de paysan, enfant de 10 ans, quand je passais devant le château, je ressentais mes conditions si différentes. Un peu injustes, jaloux sûrement de ne pas être à leur place. Mais plus tard dans mon existence, cela va me servir d'exemple. Parsemées et isolées dans la nature, les fermes sont au centre de l'exploitation agricole. Elles regroupent souvent la même famille, vivant sous le même toit, parents, grands-parents, enfants, oncles et tantes, sous un grand corps de maison ou longère, exposée face sud-est au soleil levant, l'arrière du bâtiment avec très peu d'ouverture, voire aucune, ou alors avec des dépendances et ses toits au plus bas du sol, pour atténuer ces vents du nord-ouest, vents froids et humides, vents de galerne. Il y a aussi ces petites exploitations, les borderies, de seulement quelques hectares où l'on vit difficilement. Pour les autres, c'est encore plus rustique que ces creux de maison pour les ouvriers agricoles qui se gagent pour les saisons. Autour de la maison sont disposées la grange, l'écurie, l'étable, les toits à cochons, la bergerie et différents autres toits pour les volailles. La mare pour abreuver les animaux, souvent proche de la maison d'habitation, mais aussi le puits ou la citerne creusée dans la roche qui recueille les eaux de pluie tombées sur les toits. Les femmes devaient aller chercher l'eau chaque jour avec le joug sur les épaules accroché de leur seau de fer blanc. Chaque lundi, c'est la lessive et après le lavage, le rinçage. La brouette prend le sentier du lavoir, aménagé sur une mare ou un petit étang alimenté par un courant d'eau, voire sur les bords de rivière. L'hiver était redoutable, à main nue plongée dans l'eau glaciale, et tape sur ton battoir, calé dans son garde-genou, seul face à la nature. Dans les petits villages regroupant plusieurs exploitations, les femmes se retrouvent au lavou, lundi après-midi. Et la discussion va bon train, les nouvelles se propagent, et les cancans de même. Ah oui, ah, je ne savais pas. Mais toute ma vie, j'ai été payée à tout prix là. On rend compte, on a du travail qu'on fait, hein. Toujours les mêmes. Bon, bah, faudrait peut-être que je la parle aussi. Ensuite, les femmes s'occupent de la basse-cour, de faire la chaudronnée pour les cochons et de répartir cette mixture, mélangée à l'eau de vaisselle, dans chaque bassine sous les toits des cochons. La journée n'est pas pour autant finie. Et c'est à la lueur des lampes à pétrole, entre octobre et avril, qu'il va falloir traire les vaches, aider des hommes qui sont rentrés des champs pour nourrir l'ensemble des animaux. Pendant ce temps, les anciens aidés des plus jeunes tenaient la soupe, la potée de lard
et les pommes de terre bien au chaud sur le coin de la cuisinière ou dans l'âtre de la cheminée. Cela sentait bon la fin de la journée. L'hiver, on se réunit pour veiller autour du feu, où chacun participe à différentes tâches de travail ou taille quelques objets de bois. C'est l'anecdote des fameux loups. Ah ouais, parce que d'abord, j'ai toujours voulu dire à maman, donc, parce qu'à l'époque, eh bien, le grand-père qui était la cramée, eh bien, il avait un jeune domestique quoi, qui avait 17-18 ans, parce que c'était la cramée, ça faisait 10-12 hectares, mais à l'époque, comme on travaillait qu'avec les bêtes, pour les monde pour seconder. Quoi. Ce jeune domestique, là, il était resté à la maison, puis il connaissait un nid de loup, et puis pendant la messe, donc, il a été déniché le nid de loup. Alors, quand puis il les avait rapportés à la maison, mais quand le grand-père et la grand-mère sont arrivés de la messe, ben, il y avait eu discussion, parce qu'il a dit, malheureux, qu'est-ce que t'as fait ? Mon pauvre gars, t'as bien eu de la chance, parce que si la louve était tombée dessus, elle t'aurait dévoré tout cru. Et ce fut l'une des dernières histoires de loups de Gatine. Chaque année, on fait la tournée des veillées chez les voisins les plus proches. Sans mitoufler pour sortir de nuit, traverser les champs. Les bois qui prenaient une autre dimension sous la lueur de la lune. Et enfin se retrouver à la clarté des bougies vacillantes pour la partie de cartes. Mais avant cela, il y avait la visite des écuries pour montrer les bêtes en engraissement et déjà se donner une première estimation avant de les vendre au marché de Parthenay mercredi. Les femmes avaient commencé la discussion autour du feu, tout en chantant ou en se racontant des histoires à faire peur aux enfants. D'un tel qui était sorcier, guérisseur, et qui avait des pouvoirs de bien comme de mal. Des histoires de loups, qui n'allaient pas tarder à revenir dans nos bois, portés par les vents du nord, du moment. Cela nous saisissait d'effroi, et en même temps, nous en redemandions. Le printemps revient. Près de la maison, sous l'œil de l'ancien, le jardin potager, suffisamment important pour fournir en légumes et en fruits toute la famille. Dans une parcelle du jardin, les semis des graines fourragèrent, début avril. Puis la plantation des topinambours sur plus d'un hectare. Les vaches et les génisses reviennent aux prés, pacagent les champs dédiés pour cela. Les jours n'en finissent plus. Du matin au soir, tous les champs sont animés d'une présence. L'un siffle, l'autre chante. Les animaux s'appellent. La campagne résonne de ces bruits familiers que nous entendrons tout l'été. La senteur des premières herbes coupées embaume maintenant les prés de fond de vallée. L'aubépine ajoute un doux parfum au creux des chemins. C'est la saison des foins. Aussitôt l'orage passé, on s'empresse de replanter les betteraves des semis de jardin. Courbés sur la pioche à planter toute la grande journée, et cela pendant plus d'un mois. Betteraves, choux, des plantations sur plusieurs hectares sont nécessaires pour la nourriture des animaux l'hiver. Mais déjà le 14 juillet, les premières javelles. Et c'est ici que commence l'histoire de ma famille, du côté maternel. Mon grand-père n'a alors que 11 ans. En 1912, à la Guichardière de Sorey, arrive la première moissonneuse-lieuse dans la commune. Autant vous dire qu'une grande partie de la commune est présente pour l'événement.
près, les gerbes sont rassemblées en gerbiers ou mailles en patois de Gâtine sur l'aire de battage dans la cour de ferme. Et c'est là que commence la fête, malgré les journées interminables de 5h du matin à 22h le soir. L'entraide est indispensable pour faire les battages. Cela va de quelques heures pour les borderies à une demi-journée pour les fermes moyennes, voire toute la journée pour les fermes plus importantes. Et chacun donne de sa présence en fonction de son importance de ferme. Le travail est pénible, chargé de poussière et de transpiration sous la chaleur du soleil du mois d'août. Mais le plaisir de se retrouver dans cette association génère beaucoup de bons moments, de rigolades, blagues, entrecoupées de bons repas. Les premiers jours de septembre, et déjà, le son de la batteuse s'estompe comme la fin de l'été, très vite suivi des chants d'encouragement de voix et d'aguillons. Compagnons, Lurons ! Ou quelques autres associations données aux couples de bœufs qui sont liés entre eux pour tirer la charrue. La charrue écorche la terre et trace le sillon des labours d'automne. Pour la préparation des terres en vue des prochaines semailles. Sur une autre parcelle mieux exposée au soleil et ne craignant pas les gels de printemps, la couleur éclate, les feuilles tranchent sur le paysage et nous laissent entrevoir les grappes de raisins cuivrées et à point. La serpette du vendangeur ne va pas tarder. Les vendanges restent un moment mémorable en ce début d'automne où se retrouve toute la famille au grand complet. Ajoutez à cela l'entraide des voisins. Quelle ambiance! Le résultat n'est pas toujours à la hauteur espérée. D'abord du vin, bien sûr, ensuite du râpé, pour finir par de la piquette, enfin cela dépend du vigneron ou de la cave. En Gâtine, dans beaucoup de palisses, on trouve des pommiers acides, qui feront le complément des boissons alcoolisées de l'époque. Bien sûr, il y a aussi la petite gnôle, eau de vie obtenue après la distillation des mares ou des fruits, qui va aussi bien pour la désinfection des plaies, les coliques animales, le ratafia local ou le petit coup de fouet du matin. Mon arrière-grand-père Jean-Baptiste Monroe est satisfait de sa récolte en cette année 1912. Avec l'investissement de sa moissonneuse lieuse, il envisage le plus grand emblave d'automne sur la ferme de la Hichardière. Les grains sont au grenier, sélectionnés et mis en tas, l'un pour les poules, l'autre pour la farine aux cochons, l'avoine pour les chevaux et le bon blé pour la panification. La Gâtine possède de nombreux moulins à farine, soit avant, sur les coteaux, ou bief des grands étangs, ou sur les bords de la rivière. Chaque grande ferme possède alors son propre four. Dans les villages, de plusieurs fermes, un seul four est aménagé. Après avoir rentré les betteraves entre la mi-octobre et mi-novembre, les semailles. Décembre, l'ancien rentre dans sa gausserie pour renouveler et fabriquer de nouveaux outils. Les hommes sont à l'entretien des palisses, des coupes de bois d'hiver, mais il faut aussi chaque jour rentrer la charrette de choux, qu'il pleuve ou qu'il neige. Les jours où il fait meilleur, c'est la corvée d'arracher et de ramasser les topinambours. Alimentation d'hiver pour nourrir les animaux à l'étable, en plus du foin et des betteraves. En ce temps-là, on se déplace le plus souvent à pied, ou avec le cheval attelé sur la cage à cochon, ou une hippomobile pour les plus riches. Les paysans se retrouvent le mercredi à la foire de Parthenay et le dimanche au bourg pour la messe du matin, les vêpes l'après-midi ou autres fêtes du village. Partager ces moments, se retrouver, échanger ensemble quand cela est possible dans une vie rude et difficile.
Le samedi 1er août 1914, il est 16h. Toutes les cloches des villages se mettent à sonner le tocsin. Le lendemain, c'est la mobilisation générale. La guerre est déclarée. Dimanche 2 août 1914, les hommes de 20 à 48 ans se préparent en fonction de leur fascicule de livrée militaire pour rejoindre au plus vite leur unité d'affectation. La France compte alors 39 millions d'habitants et près de 8 millions d'hommes mobilisables. Les forces vives du pays de Gâtine se retrouvent sur les quais des gares de Parthenay à Poitiers. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Beaucoup pensent que le conflit sera de courte durée, juste le temps de récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues en 1871. L'école publique a inculqué depuis des années des valeurs de revanche, a forgé ses esprits de citoyens combattants dans le triomphe de la République, conduisant les jeunes appelés à accepter cette mobilisation. La curiosité se mêle à l'excitation dans cette aventure collective. « Nous allons voir du pays !» Premier voyage pour beaucoup effectué loin de la Gâtine. Malgré ces scènes de liesse, sitôt les trains ayant quitté la gare, bien des larmes coulent. Une instante émotion pour les parents, épouses, fiancées et jeunes promises face à l'incertitude de la guerre. Il faut reprendre le travail des champs. En plein début de moisson, tous les bras seront sollicités, même les très jeunes. L'entraide indispensable dans cet élan de solidarité, la vie continue, malgré les nouvelles du front qui ne sont pas rassurantes. Les hommes sont au front, les femmes, les anciens, les soutiens de famille, les enfants sont au champ et le quotidien des saisons est toujours présent. Les chevaux ont tous été réquisitionnés. La seule force tractive restant sont les bœufs, les vaches, voire en certains endroits les personnes attelées à la tâche. La France rurale maintient son agriculture. L'effort de guerre reste primordial. Les femmes ayant pris la direction des exploitations investissent dans de nouvelles machines, facilitant les tâches et améliorant la production. De la guerre 14-18, mais ça sort. Lui qui m'avait dit que c'était atroce, parce que quand les guerres de corps à corps se faisaient, le studio les uns aux autres, on avait un qui brochait l'autre, et bien l'autre le brochait à son tour.
Après 4 années de guerre, 9 700 000 morts pour les combattants, 8 900 000 pour les civils. L'armistice est enfin signé en forêt de Roton ce 11 novembre 1918. C'est la liesse générale dans tout le pays. Chaque village acclame ses héros rescapés de ce conflit le plus effroyable de tous les temps. C'est la dère des dères. On embrasse, on couvre de fleurs, on dresse des arcs de triomphe, on expose les lambeaux du drapeau. On pleure aussi ses disparus, ses bras qui ne seront plus là pour vous en serrer, adoucir vos souffrances et qui vont terriblement manquer au travail des champs. Tonton Louis, enfin l'oncle de ma mère, qui avait été blessé en 14-18, là, là, il avait un grand trou dans la bouche. Et, C'était un éclat d'obus. Les traumatismes de la guerre sont encore dans toutes les têtes. Même si l'on veut les oublier, ou ne pas en parler, tellement ça a été l'horreur. À cela s'ajoute par 3 vagues successives la terrible épidémie de la grippe espagnole venue des Amériques avec les soldats. Plus de 400 000 morts en France. En Gâtine, on parle de monter les draps mortuaires sur le toit des églises. En 1919, François Robert exploite avec sa famille les terres de la foi à La Pérappe. N'ayant eu que des filles, l'aînée, Marie, est le bras droit de son père sur la ferme. Son père, suivait toujours. Allez, Marie, tu viens. Mon père disait toujours ça. C'est toujours dans les champs. Tout le temps. Même, elle allait feuiller des choux, elle allait tout ce qu'on veut. Hein. D'accord. Après les creux de maison en 1912, ce roman qui met en lumière les conditions difficiles des paysans et leurs familles du bocage, Ernest Perrochon, l'instituteur de la République venu de Courlay, obtint le prix Goncourt avec Naine en 1920. En 1925, Les Gardiennes, un hommage aux femmes qui, par leur travail pendant la guerre, ont fait prospérer les exploitations agricoles et nourri la France. Suivront 7 autres romans et livres scolaires, dont Tap Tap et Billy. Paul Monroe, né en 1901, le fils de Jean-Baptiste, de la Guichardière de Soret, est appelé sous les drapeaux pour son service militaire d'une durée de 3 ans. Des bras en moins à la ferme, bien sûr, mais la chance d'avoir évité la guerre. Il fait son régiment à Paris, et je crois bien que c'est l'une des seules fois où il tiendra un volant dans sa vie. Les femmes avaient modernisé l'agriculture pendant ces années de guerre. Les hommes, surpris par cette évolution, ont repris leur place. Ils vont continuer de défricher les terres incultes, arracher les dernières landes recouvertes de genêts, puis amender ces terres gâtées de Gâtine, d'où provient son nom. En 1922, François et Louise Robert quittent la Foix pour se rendre à la Garenne dans l'une des fermes du domaine de la Motte au Gentilhomme de la famille Aubrin, où les arrière-petits-enfants sont toujours en fermage de nos jours. Sur la chaussée de l'étang, le 29 septembre 1922, François Robert, né en 1872, et Louise Hérault, son épouse, avec Marie, Irène, Denise et Madeleine arrivent avec la charrette de déménagement à la Garenne. Les vaches, les génisses et les autres animaux sont arrivés par les chemins de traverse. Les cochons dans la cage, les volailles, les lapins, tout doit suivre et chacun de retrouver sa place. Marie a 21 ans. Très actif comme toujours, elle est aux champs comme aux écuries. Elle était toujours dans les champs, partout, tout le temps. Elle est toujours venue derrière mon père. C'était son, comment on dit, son fils. Oui, parce qu'elle était toujours à toucher les bœufs à longueur de journée et puis à travailler dans les champs.
le travail d'automne arrive, les betteraves, les labours, les vents de pluie qui embourbent les chemins, la terre qui colle aux sabots. Cette nouvelle ferme où l'on s'acclimate, les endroits, les lieux et les nouveaux paysages. La nature est belle, les couleurs denses, le soleil brille en d'autres endroits. Il embrase de lumière les voies d'accès au château. Ici, les chênes, les sapins, les hêtres, les platanes, les châtaigniers, un ensemble planté harmonieusement disposé dans la nature. La noblesse a laissé son empreinte. La richesse a construit ses magnifiques bâtiments. La bourgeoisie de 1894 a pu en faire l'acquisition avec 7 fermes autour du château et plus de 300 hectares par le notaire Georges Aubrin. Le père d'André Aubrin, puis de Marcel et de Maurice et de Madame Barbier qui était une fille, eh bien, a acquéri le domaine de la Motte aux Gentilshommes qui venait du comte de Sainte-Marie. Mais enfin, le propriétaire, après, l'était pas mauvais, le bonhomme. J'ai vu dire à papa, quand je lui ai été, puis que je suis venu du foin, eh bien, le s'amenait avec une bouteille, et puis il le donnait un coup à boire. Tenez, buvez donc un coup, vous l'avez bien mérité. En 1922, André Aubrin, le fils de Georges, rachète l'usine d'écarissage proche de la ville de Parthenay, spécialisée dans la fabrication d'engrais à base de poudre d'os. Il va révolutionner la production avec les engrais organiques, l'intensif. Paul Monroe est revenu de ses 3 années de service militaire. On en profite pour réunir ce mercredi la famille tout endimanchée au studio Châtelier de Parthenay. Paul, Angèle, Marie, André, avec Jean-Baptiste et Félicité, des bras qui en 1923 sont les bienvenus pour cultiver les terres de Gâtine. Ils sont nés dans les années entre 1870 à 1875. Toi, à ton grand-père, à toi Moi, mon grand-père à moi, même mon grand-père s'appelait Henri. On se gageait dans les fermes, c'était un gage. Le père était né à Hollande, et même était à la Drère d'Azay. Et de là, c'était une toute petite banderie, hein. Il y avait 3 ou 4 hectares à l'époque. Il y avait dans la famille 2 garçons et 5 filles. Ils sont venus à Saint-Pardoux, à la pétrolière. Donc à Saint-Pardoux. À Saint-Pardoux. Et ma mère était née à Pompère. Je sais que cette famille Hérault-Jolin s'était retrouvée pour le mariage d'un frère du grand-père Henri, qui est une cousine de la grand-mère Robert, de la mère Louise. Oui, parce qu'on m'a toujours dit que mon père et ma mère avaient couché ensemble à 3 ans. 23 ans plus tard, en 1927, c'est l'union de Marie Robert avec Albert Jolin. En ce temps-là, les rencontres se font dans un périmètre de communes ou villages les plus proches, ou à l'occasion des déplacements pour les mariages. Ils se retrouvent lors d'un mariage de cousins. Ensuite, les premières bicyclettes ont favorisé les déplacements entre Saint-Vardoux et La Pérate.
Il était à la pétrolière de Saint-Bardoux, lui, avec ses parents. Mais seulement, il a été gagé longtemps au Genet d'Olonne. Le Loc, bon, il s'est marié, puis comme grand-père, lui, il n'avait pas de fils, il est revenu à la Garenne. Ouais. C'était le premier des gens, parce qu'à l'époque, il fallait prendre des domestiques. Ouais. Ouais. Alors, une chose d'autant plus curieuse, qu'après, j'avais deux tantes qui étaient mariées avec deux frères, des rois. Si bien que mon grand-père, quand il a eu tout marié, le disait toujours, avec tous mes gens, j'ai trouvé deux rois et un volé. Et sur 42 hectares, c'est pas le travail qui manque. Marie ne se détache pas pour autant des champs. Le trio avec Albert et François fait merveille. On défriche les champs d'au-dessus de la carrière. Marie en fait trop. Faut te ménager, ma fille. Marie ne veut rien entendre. En 1928, Marie perd son premier enfant suite à une fausse couche. La Garenne, bien que plus grande en superficie, était comme la majorité des fermes de Gâtine polyvalente en termes d'élevage et de culture. C'est pourquoi toutes les filles avaient leur charge de travail. Entre la basse-cour, les gorées, le jardin et le travail des champs, toutes les saisons avaient leur intense occupation. Maman Louise Robert veille au grain et prend les grandes décisions en gérant toute l'économie de la ferme. Le père Robert, c'était le bon père Robert, il avait toujours sa main dans sa poche, là, comme ça. Mais la grand-mère Louise, elle n'était pas facile, c'était elle qui commandait la maison, attention. Hein. De son côté, Paul Monroe, toujours à la guichardière avec ses parents, ose dire à Marie Gaillard, fille de Théophile et Augustine Gaillard-Guichard, de la petite Porée de Soret, « Et si on se mariait ?» J'étais un garçon, j'étais le deuxième garçon de la famille Robert, mais on a décidé de mettre comme nom le nom de mon père et de ma mère, qui s'appelait Jolin, ma mère Robert. 29 janvier 1929, Marie et Albert sont heureux de vous annoncer la naissance du petit Robert. L'année commence bien, avec bonheur. Dès les premiers mois de 1929, les entreprises ont beaucoup de difficultés à écouler leur surproduction. En juin, les prix baissent sur de nombreuses marchandises. La crise est annoncée. Le 24 octobre, c'est le jeudi noir. 12 millions d'actions sont jetées sur le marché sans trouver preneur. Actionnaires et courtiers se trouvent ruinés. Les emprunteurs ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Le krach financier de la bourse de New York va faire plonger l'économie et les conséquences qui vont suivre seront aussi néfastes pour les paysans de Gâtine. Jusqu'à moins 50% sur les produits alimentaires. La France sera touchée un peu plus tard, en 1931. Les années 30 sont marquées par l'exode rural, le chômage, la désertification. On a passé des années catastrophes, là, après. Là. Il y a eu des faillites partout. Il y a eu des fermes comme le Chiron, la Purdière, tout ça. On a été pendant 2 ans sans être exploité. L'abandon des terres et fermes qui reviennent en friche, et cela pendant plusieurs années, de 1931 à 1935. Le père Baribault lui avait dit, tu vois cette grande pièce là derrière la maison, ça ne ferait pas vivre un homme à longueur d'année. L'année qui suit le mariage, c'est souvent un autre heureux événement qui arrive dans la famille. Ici, c'est grand-mère Félicité Monroe, heureuse de vous présenter sa petite fille Paulette, fille de Marie et Paul. 24 novembre 1930. À la suite de la disparition de Théophile, le mari d'Augustine Gaillard, son fils Marcel, avec son beau-frère Paul et Marie Monroe, reprennent la ferme de la petite Porée. Les familles nombreuses, Marcel et Marie Lusseau, son épouse, vont avoir 12 enfants. 8 seulement restent vivants. Donc Emmanuel s'est marié, donc avec la tante Irène. Alors c'est lui qui a remplacé papa, et bien il fallait faire la place. Un grand événement en 1933.
la fée électricité arrive dans les fermes de la Motte aux Gentilshommes. Mamie Louise en a incendié la tête de papy François. Emmanuel et Irène étaient plutôt satisfaits du modernisme et de la clairvoyance du propriétaire André Aubrun à la Garenne. Depuis le Fouillou, Sauret, la Chapelle Bertrand, les plus importantes maisons se raccordent à la ligne. Mais tout le monde n'en veut pas. Ça va mettre le feu partout. Et cela reste trop cher pour beaucoup. Le père a pris une banderie à la Chapelle Bertrand, du Fontenou, parce que c'était un gros village, on était jusqu'à 78 là-dedans. Albert, Marie, Robert et Louisette, la petite dernière, s'installe dans une banderie de 12 hectares au Fontenou de la Chapelle Bertrand. Les champs sont petits, voire ridicules, entourés d'épaisses palisses, perchés sur les contreforts du terrier de Saint-Martin-du-Fouillou. Sur ses hauteurs, toute la Gâtine, dans son écrin de verdure, ses prairies, ses bois, ses champs, ses couleurs de toit des fermes parsemées sur le paysage. Aux saisons des grands travaux, une fourmilière vivante sous cette couverture végétale. Après de nombreuses grèves et manifestations, va naître en 1936 le Front populaire. De nombreux acquis sociaux voient le jour, dont les premiers 15 jours des congés payés. Et voilà que les enfants ayant quitté le Poitou en profitent pour revenir au pays. La joie de se retrouver en famille sur ces terres de Gâtine que l'on a quittées, mais à laquelle on est resté très attaché. En 1937, la famille a grandi. Avec les années, Paulette a deux jeunes frères, André et Michel. Paul et Marie quittent la petite Porée. La ferme est devenue trop petite pour nourrir les deux familles. C'est seulement à quelques traversées de champs que Paul Monroe vient de s'installer sur les terres du Plénit, 27 hectares, entre la Chapelle Bertrand et la Pérate. J'étais à l'école à Chapelle Bertrand de 1934 à 1940. Mais moi, il me souvient que j'allais à l'école avec Annette Juin, une fille qui avait dans le village là-bas, la famille Poussard. Alors, ben, ils lui ont fait faire toutes les misères possibles, hein, jusqu'à la déculottée, on sort. Ils nous giflaient tous les jours. Alors, le domestique, M. Juin, avait dit « Attends, demain matin, je vais aller les soigner, moi. » Il y a Paul, Rémi, puis Paulette, qui est les poussards, là. Il sort derrière le châtaignier, il prend mon Paul, là, et puis il lui a envoyé 3-4 paires de claques. Ça a été fini, après. C'était fini. Mon Rémi qui descendait vers le bois de la verre, là, qui criait, qui criait. Oh non, 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 non. Retour de l'école. Il faut aller chercher les vaches au champ, emprunter le petit chemin creux entre ces futaies, ces têtards, ces palisses impénétrables. Seul avec l'immensité de la nature à partager ses secrets, ses histoires d'un passé proche ou lointain qui parfois vous donnent des frissons quand vient la nuit. Alors on presse le pas, on invective plus bruyamment le troupeau qui rentre à l'étable, de crainte que le malin vous rattrape ou les fantômes revenants vous entraînent au passage. Qui va là ? Qui va là ? Qui va là ? Et vous de sursauter d'effroi, ne sachant d'où vient la voix. Louise et François viennent de marier Denise, la troisième des filles de la Garenne. Et il faut faire la place, comme on dit, c'est la coutume. Emmanuel et Irène vont donc prendre la ferme de la Foire à la Pérate qui se trouve en fin de bail et que leurs parents avaient déjà laissée en 1922. Soit dit au passage, la ferme est toujours exploitée par la famille Jolin. Au Plénit, la veille de Noël, Paulette, André, Michel, les enfants Monroe. Le peu, c'est beaucoup. Je me rappelle une fois,
un jour de Noël qu'il m'avait donné une orange. Oh, puis il n'y avait jamais eu le temps. L'exception devient merveille. La TSF est arrivée chez le maire, M. Garandon. Et puis, c'était de la musique, hein. il y avait 9 ans. Oh, ben ça, on m'avait émerveillé, moi. On m'avait émerveillé, tout ça. La TSF annonce aussi de plus sombres nouvelles depuis la crise de 1933 qui a profité en Allemagne au parti nazi avec la montée de l'extrême droite et l'élection du chancelier Adolf Hitler. Le 5 avril 1939, Albert Lebrun est réélu président de la République et l'espoir renaît d'un consensus avec l'Allemagne. Le 17 avril est marqué par le soutien de garantie de la France à la Pologne. Le 24 août, la mobilisation partielle est décrétée. Le 1er septembre, c'est l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes. C'est la mobilisation générale pour la France. On était allé voir le docteur Breffel à l'horloge, là-bas. Et puis c'était à peu près 2h30, 3h. Les sirènes, la guerre a déclaré, les sirènes se sont mis à hurler pendant une heure. Alors j'ai encore le son dans mes oreilles de ça. Et puis après, on a sorti de là-bas, tout le monde était aux portes, pleurait, et puis oh, ça aurait été une catastrophe. Septembre 1939. L'Europe se trouve face à une nouvelle guerre d'une ampleur que personne ne peut imaginer. Il faut de nouveau quitter les champs, se rendre au plus vite dans les lieux de garnison. Et c'est reparti, comme en 14. La France n'est pourtant pas prête pour ce conflit. Quand la guerre a déclaré, deux jours après, on a réquisitionné tous les chevaux, tout. Une matinée entière à la queue leu-leu, les chevaux ont tout remonté sur Poitiers. Oh, ça, on l'est marqué, ça, parce que vraiment, c'était quelque chose. Les gens de l'Est de la France et des grandes villes prennent peur. Il fuit vers l'ouest avec les informations de la chute de Varsovie, détruite sous les bombardements de l'armée allemande. Le grand-père Monroe, il a parti pendant 3 jours, parce qu'il avait 3 enfants. Lui, il n'était pas mobilisable. Il est parti pendant une semaine, peut-être, à Poitiers, là, pour soigner les chevaux. Emmanuel, le valet, ou l'ouvrier agricole, et la jument Lisette sont mobilisés au premier jour du conflit. Irène se retrouve seule avec Maurice, 7 ans, Pierre, 5 ans, sur les 27 hectares de la foie à la Pérate, sans bras et force tractive pour cultiver les terres. Dans le même temps, les événements se bousculent au Fontenoy et à la Garenne. La tante Denise, elle était mariée avec Léon Durier, et c'était eux qui devaient revenir à la Garenne. Léon Durier a pris la maison neuve. 18 hectares à côté de la Garenne. Et puis l'oncle Durier a attrapé, on disait un chevau foie dans le temps. Comme il était malade avant, c'est nous en 1940 qu'on est revenus à la Garenne. Albert et Marie et leurs 6 enfants reviennent à la Garenne. Les 12 hectares du Fontenoy ne suffisent plus pour nourrir toute la famille. Ils vont donc reprendre la suite de François et Louise, qui vont repartir à la fois pour aider Irène, car Emmanuel a été fait prisonnier à Autun. On était à la Garenne parce qu'il fallait faire la plantation des betteraves.
Et puis quand on a entendu ce brouhaha de chenillettes qui sonnaient, puis alors l'armée française qui était sur le pont du Charlet, avec un tank, il y avait un corps de champ de Genève, et puis ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Les Allemands, ils ont fait brûler le tank qui était au Charlet. Je sais que je te dis par les champs de Genève, de Maisonneuve et puis de Tourajou là-bas, il y a pas mal d'armées qui a déserté là. Voilà, était la fin. Ils avaient déjà tué un jument à la Gauve là. Et puis quand les Allemands sont arrivés en face de Maisonneuve là, ils ont tiré dans les carreaux, la balle. Alors les Français qui étaient là, ils ont pris le champ de Topine qui était par derrière. C'était un monsieur de Beaulieu. Et puis il est arrivé à la Garenne. Alors la grand-mère lui a donné des vêtements. Et on est reparti par la faucherie, non, par les chemins de traverse, là, parce que c'était le chemin pour remonter quand même au Fontenou, la belle France. Ce monsieur-là qui était habillé après en civil. Et puis on s'est ramené un sidecar. Oh, la frousse de ma vie, comme on dit. Là. Et puis au Fontenou. Le père a dit, bébé, allez-vous mener jusqu'à Beaulieu avec la jument. Elle a dit, non, moi maintenant je connais ça. Elle dit, je descends là, je prends à travers champ, puis je me rends à Beaulieu, au Fontenou, là-bas, il n'était plus que des Allemands. Et enfin, ils avaient réparti dans toutes les maisons du Fontenou. Mmh. Et puis, ils avaient dit à la mère de faire une omelette. Et puis, il y avait ce jeune qui était au bout de la table, là. Et il avait été regarder Bernard, qui était tout petit, puis il s'est mis à pleurer. La séparation, l'éloignement, les sentiments, les conséquences de la guerre qui nous arrachent à tous ceux que l'on aime. Le grand-père à la Virène, il avait pas mal d'argent. Elle avait même voulu acheter le chalet au côté Mimé. La grand-mère, parce que c'était elle qui commandait. Hein. Alors, quand les Allemands arrivaient, il n'y avait pas de banque comme aujourd'hui où il y avait la caisse d'épargne, mais c'était une petite bagatelle. Ils avaient des pleines de caisses d'argent. Alors, on a été toutes les cachées dans les murs du jardin de la Garenne. Et puis, on a creusé dedans, puis on avait mis plein de boîtes d'argent. Pour pas que les Allemands les prennent. Alors, on a duré pendant un couple de mois, ça peut être, là, comme ça. Eh bien, dans l'espace de 3 ou 4 ans, les comptes n'avaient plus rien du tout. Rien. Mais il y avait des dévaluations à ce moment-là. T'achetais une bête, comme ça, 10 000 francs, tu les gardais 6 mois, tu les vendais 20 000. Les Allemands se sont regroupés sur Parthenay. Marie avec Albert ont retrouvé les terres de la Garenne. Emmanuel n'aurait pas voulu comme ferme à cause des milliers de lapins qui mangeaient tout. François et Louise sont revenus à la fois avec une vache et une chèvre pour leurs vieux jours. La famille se retrouve ainsi pour épauler Irène. Mais il y a aussi la présence de sa sœur Madeleine et de son mari Roger Jounot qui donnent la main sur la ferme après sa journée de cantonnier à la commune. François reste heureux au milieu de ses petits-enfants. Mamie Louise est plus inquiète devant sa boîte de billets qui demain ne vaudront plus rien. On devait être en 41 à Pâques. On était dans le chalet toujours. M. Aubrin a pensé et puis tout. Et puis il avait demandé à papa de quelle classe il était l'adolescent projet, qui était dansé sur toi. Il faisait partie de cette classe 42. Qu'ils ont emmené en Allemagne, le repas tout seul, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus moyen de trouver personne. Et puis j'ai sorti de l'école. Là. Quelques nouvelles des prisonniers qui nous racontent leur triste quotidien loin des leurs. La France de Pétain sous domination allemande, dirigée par le gouvernement de Vichy, va mal. Ernest Perrochon, qui avait reçu la Légion d'honneur en 1932, refuse de contribuer au journal de Vichy. Deux de ses romans sont interdits, menacés par le préfet, il est surveillé par la Gestapo. Il décède le 10 février 1942 d'une crise cardiaque. Ses obsèques officielles sont interdites. Pourtant, une institutrice et ses élèves parviennent clandestinement à fleurir sa tombe. La Gestapo arrive trop tard. Dans le même temps, les premiers convois de déportés quittent la zone occupée pour rejoindre les camps de concentration. Les Juifs de plus de 6 ans devront porter une étoile jaune. Et en juillet, c'est la rafle du Vel'd'Hiv, par la police française.
12 884 juifs rassemblés au vélodrome d'hiver. Le 11 novembre, les Allemands envahissent la zone libre. Le 27 novembre, vu l'avancement de l'armée allemande sur le sud de la France, la flotte française se saborde en rade de Toulon. Le 26 décembre 1942, Jean-Claude Henry. Eh bien, à l'époque, il fallait toujours, avec cette cage, il fallait aller chercher la sage-femme à Partenay. Et puis le père m'a dit, eh ben, je vais atteler la jument, et puis tu vas couper une chouette de chou, mais t'en mets le plus possible, parce que ça commençait à geler. Dans le champ, d'abord, il y avait des gouttes d'eau qui étaient gelées, que c'était que de la glace dessus. Puis enfin, ça, je peux en parler de mes sœurs aussi, parce qu'elles étaient parties à la Maisonneuve chez tante Denise, et puis ils ont commencé des topines. Bien, sans souvenir, vous êtes à sans souvenir aussi. Oui, alors j'ai coupé cette charte de chou. Oh. Alors après, bon, je l'ai ramené comme j'ai pu. Puis à l'époque même, eh ben, on ne trouvait même pas, parce qu'il y avait la carte de pain, il y avait la carte de farine, il y avait la carte de sucre. Mais enfin, nous, ça, avec la famille, on n'en a jamais tellement jeûné. Mais il me souvient de trouver maman atteint des draps pour nous faire des culottes. Les privations sont de plus en plus ressenties et difficiles pour les personnes vivant à l'intérieur des villes. Les enfants sont parfois pris en charge par des comités d'aide. Les curés des villes sollicitent leur paroisse de naissance ou leur connaissance dans le monde rural des campagnes, où les enfants peuvent être accueillis au sein des familles. Les paysans ne souffrent pas de la faim, mis à part le pain qui reste de très mauvaise qualité. Mais alors comment ça se passait les marchés de Partenay pendant la guerre? Ils existaient? Oh ben, ils n'existaient ben, quasi pas. Il y avait 50 à 60 bêtes, même pas. Hein. Il fallait quand même en fournir tant à la réquisition. Les bêtes, c'était pareil. Quand il n'y en avait pas, mais ils t'en prenaient une. Hein. La viande, tu avais droit comme un, je ne sais pas si c'était peut-être un kilo par mois. Même pas. C'était mauvais les soupes. Eh bien, on n'en faisait même plus. Maman en a fait avec des pommes de terre râpées et des machins comme ça. Là. Dans les fermes, on se débrouillait parce qu'on avait la patate, le chou, les poireaux. Mais, et on faisait du cochon, quand même. Ah ben, nous, ils faisaient les cochons. Hein. Mmh. Nous, on faisait un tous les trois mois, nous, on faisait un cochon. Hein. Quand la saison était rendue, c'était la chasse. C'était un peu notre distraction. À la Garenne, c'était dans l'ancienne avenue et puis l'avenue, c'était des milles de lapins qui te faisaient tout perdre. Une petite pierre qu'on avait qui était là comme ça, puis une petite bêche, et puis allez, on creusait là, tu trouvais le trou, tu pouvais te mettre là-dedans, puis t'attraper le lapin. Et puis pendant la guerre, vous avez jamais souffert de... Non, mais nous, ils n'ont pas souffert. Au moment des moissons, c'était 15 à 20 lapins tous les jours. Mais on mangeait que les petits et les chiens mangeaient tout le reste. Oui. Donc vous en avez marre de manger des lapins? Ah mais on mangeait que ça. Vous aviez le droit de pêcher dans les temps? Ah ben oui. Ah oui. Ah mais il y avait le vieux Tété, Ernest Corrente, hein, roi de chambre du château, qui voulait pas de ça. Et puis alors, parce que nous, dessus la ferme, quand le papa a pris la ferme, il avait demandé le droit de pêche. Et puis nous, ben, on pêchait dans son boulot, on prenait de ces belles tanches là dans des cas, des goujons dans la rivière de la Guérenne. Oh là là. Oui, nous ne voulions pas trop. Papa avait dit, on a le droit, on regarde. Mais mon tête-tête, là, Ernest, là. Et puis le passé nous engueulait. Ou des fois, ils voyaient arriver, et puis nous autres les gros, ils détruisaient, puis ils étaient en mort. Les nouvelles venant du gouvernement ou autres autorités sont calomnieuses et mensongères. Pourtant, les radios étrangères interdites redonnent quelques lointains espoirs. Les conséquences de la reconquête seront douloureuses. Le couvre-feu et le retentissement des sirènes font craindre le pire. La menace vient du ciel sous un déluge de bombes alliées. Tel va en être le prix en multipliant les destructions pour paralyser l'ennemi. La campagne, tant qu'à elle,
offre encore ces moments de quiétude, ces endroits où l'on se sent bien, comme protégé au cœur de la Gâtine, loin des conséquences de la guerre. La vie va tant bien que mal, on s'adapte, on se résigne. Faute de produits, il faut reprendre le travail à l'ancienne. Plus de ficelles, on reforme les liens pour lier les javelles. En 1943, sur le front russe, après les batailles de Stalingrad, du Caucase, ainsi que la bataille de Koursk, où plus de 6000 chars et près de 2 millions d'hommes se sont affrontés, les Allemands reculent sur tous les fronts. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les lueurs de Poitiers, on les voyait jusqu'au Plénit. Jusqu'à 40 km à la ronde. Donc là, on avait un carnage. C'était ça aux alentours du 13-14 août.
44. Parce que les Allemands remontaient par plein train du côté de... Oui, qui remontaient sur Paris, pour remonter sur le front de Normandie. Le maquis a pour mission de retarder par toutes les actions commando possibles la remontée des Allemands vers le front de Normandie. L'urgence pour les Allemands est de renforcer sur tous les fronts leur division pour mieux repousser les Alliés qui progressent vers Paris. La résistance qui était là avait déboulonné les rails. Ce train qui devait dérailler sur le pont de la Pierre-Levée à la Goutterie. Et là, il y avait été rude. 200-300 morts. Oui. C'est le chef de gare qui nous avait empêchés. La résistance qui était là avait déboulonné les rails, après, juste dans le fond, mais le train a déraillé. Et puis, au moins, je me souviens de ça ce matin, on l'avait entendu jusque de la Garenne. Alors, le train a déraillé, il y a eu 7 morts parmi les Allemands. Puis c'est là qu'ils ont voulu brûler la ville, parce qu'ils ne savaient pas comment il y avait de blessés. L'histoire où le grand-père avait appartenu à mercredi, et bien le grand-père qui tous les mercredis allait quand même appartenait, il n'y a pas eu moyen de l'arrêter. Mais on a quand même arrêté à l'Orgel. Oui, mais le grand-père Monroe, ça. Arrêté, il a dit, il faudrait peut-être que tu... Ben oui, parce que les gens qui étaient à l'Orgel, ben, ils étaient au courant, tout ça, les gens. Et puis le docteur Chambard a dit comme ça, que s'il faisait brûler la ville, lui, il ne soignait pas tous les blessés. Le 15 août, interdiction par les Alliés de circuler sur les routes de Gâtine. La tante Madeleine, très pratiquante, décide avec sa fille Simone et Michel de passer outre, en se rendant à la messe à la Pérate, à 2 km. Roger Jouneau, son mari, était resté au village de la Voûte, avec les plus jeunes de ses enfants. Le laitier avait décidé de faire sa tournée, comme à l'habitude. En l'église de la Pérate, le curé Farou débute son office, quand l'avion passa en piqué sur le bourg, et quelques instants plus tard, la mitraille crépita sur la route de Tenzin. Le curé Farou mit fin à l'office et tous les fidèles repartirent vers leur domicile. Madeleine, Simone, Michel enfourchèrent leur vélo et se précipitèrent vers le village de la Goutte. Devant la désolation du camion en feu et du laitier étendu mort, criblé de balles sur le chemin, Simone restera prostrée et traumatisée par cette image. Sous une pluie de douille, Roger, dans son jardin, avait été épargné par la mitraille du village. Irène et Françoise, qui jouaient devant la maison, avaient été touchées au bras et au cou, heureusement sans trop de gravité. Le voisin, Michel Richard, lui, s'était enfui et restera caché pendant plus de 3 jours. Le transportant les armes de l'agent jusqu'à vous, je ne sais pas où, là-bas. Et puis qu'il y avait 2 chevaux là, l'un devant l'autre, et puis qu'elles ne pouvaient pas monter au pont. Et puis que les Allemands étaient là, et puis l'on dit qu'ils vont, vous aider, on va vous aider. Et puis le poussier de la charrette, puis la charrette était pleine d'armes. Entre, avec les chevaux. Les Allemands, harcelés dans leur progression, menacent de terribles représailles tous les habitants qu'ils suspectent de protéger les résistants. Le 25 août, jour de la libération de Paris, à Sorizet, les Allemands avec 2 canons de 150 mm bombardent la ville, faisant plusieurs victimes et mettent le feu à 172 maisons, tel le massacre de Radour-sur-Glane du 10 juin 1944 où 642 personnes ont été massacrées. Et puis quelques jours après, quand ils ont eu fini de remonter sur le front, oui, ils ont fait sauter le train. Ouais. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait sauter, c'est les Allemands. À la Purdière, puis un craquement pour toute la matinée. Il y avait des éclats de machin qui venaient jusqu'au retard. Là, on a retrouvé qu'il faisait 11 kilos. On était dans les Garennes, là. On allait chez les pommes de terre. On s'est tous ramassés le long du talus du champ de la Gouffe. Là. Quand je suis là pendant une demi-heure, et bien là, ça sifflait de tous les côtés, les balles, tout le pense. On avait été défendu de faire les battages,
Parce que les Allemands, autrement, ils ramassaient le grain et puis... Ils remontaient avec. Deux jours après que le train a été... Alors, le président du syndicat, et puis il est venu, puis il a dit qu'il fallait battre. Et puis on devait livrer tant de sacs pour approvisionner en farine les boulangeries. Après, parce que c'était des moulins comme chez Rambaud, tout ça, qui produisaient... Il fallait amener le grain là-bas. Pour approvisionner les villes en farine comme Parthenay, pour faire le pain, et puis la pirate et ainsi de suite. Mais là, quand les Américains ont été là, on a commencé pendant peut-être 8-10 jours à manger du pain blanc. Ah, puis, on a mangé, c'était comme du gâteau. Parce que bon, la guerre n'était pas finie pour ça, hein. C'était même pas gagné. Hein. Les B-17 forteresses volantes vont porter la terreur au cœur des villes. Le peuple allemand commence à douter de son Führer et de l'issue positive de la guerre malgré la propagande. La guerre s'éloigne de la Gâtine. André et Michel Monroe sont en vacances d'été et prêtent main forte à leur père sur les terres du Plénit, mais toujours à l'école de la Chapelle Bertrand pour la rentrée. Alors que Paulette vient de sortir en sa 14e année de l'école et va soulager Marie, sa mère, aux tâches quotidiennes du poulailler, des lapins, des cochons, en passant par la traite des vaches, la fabrication du beurre, des fromages et le travail de la maison. Le 8 mai 1945, après 5 ans de guerre, l'Allemagne capitule sans condition sous la domination alliée, mettant fin au conflit. Il faut maintenant reconstruire, unifier les peuples, envisager un avenir meilleur et rester vigilant. L'Europe doit s'unir, prendre garde contre les extrêmes, les fanatiques, les dictateurs, se souvenir du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Sur le quai des gares, c'est les retrouvailles, parfois distants après tant d'années. Les différences, la difficile reconnaissance des uns et des autres. Des enfants que l'on n'a pas vu grandir et qui ont tellement changé. Ce soir-là, Pierre, 10 ans, rentrant de l'école de la Pérate, avait présagé par la missive d'un télégramme annoncé le retour de son papa, Emmanuel. La ferme retrouve ses bras, qui avaient tant manqué au travail d'Irène, que papy François, mamie Louise et le beau-frère Roger Chouneau avaient aidé du mieux que possible. Emmanuel a épousé ma tante Irène. Alors c'était deux frères qui étaient mariés avec deux soeurs. Ce dimanche à la Garenne, où les deux frères, Albert et Emmanuel Jolin, mariés aux deux sœurs Marie et Irène Robert, ont invité et réuni toute la famille à l'occasion de la fin de la guerre et du retour d'Emmanuel. Tout le monde tue le cochon
Et puis alors là, c'était le repas de tous les oncles, les tantes, les compères, quoi. Papa, donc Albert, oui. Il y avait Emmanuel, et il y avait tante Denise, oui. Il y avait tante Alice, il y avait tante Henriette, tante Simone et tante Lucienne. Mais il y avait aussi tante Denise, Madeleine, les maris et la ribambelle des enfants où tous les cousins s'en donnaient à cœur joie des souvenirs inoubliables. Au Plénit, Paul et Marie Monroe, aidés de Paulette, avaient aussi préparé un grand repas pour recevoir la famille. Gaillard, Bernola, Barrault, Talon, avec les neveux et les nièces, quel bonheur de se retrouver entre cousins et cousines. Les adolescents deviennent plus adultes. Et les premières idylles amoureuses transforment leur sortie du dimanche après-midi. Il fallait faire le travail. Et puis les filles, étaient garanties qu'il fallait qu'elles soient rentrées, enfin dès la tombée de la nuit. Hein. Mais après, on s'est modernisé. Après, il y a eu le modéré qui a acheté un parquet. Alors, puis la salle des fêtes, quand même, de la Pérate, qui s'est faite en 1946, elle. Elle a été inaugurée en 1946. Alors, on a été la réunion de tout le point, hein, parce que. On a duré pendant 4-5 ans. Enfin, moi, j'ai vu Yvette Armer, alors, j'ai vu Versurène. Et enfin, bon, il y avait pratiquement des balles tous les dimanches. T'es où que t'as rencontré mamie? Ah, ben là, je l'ai rencontré. Non, tu vois, la première fois que je l'ai remarqué plutôt, j'étais dans la cour de l'école. C'est de la chapelle Bertrand. Ouais. Il la voit encore parce qu'elle avait une petite jupe bleue. Marine, et puis elle avait un petit corsage Bordeaux. Après, on s'est rencontrés plutôt dans la salle de la Pérate. Il y avait 19 ans quand ma petite sœur et il y allait ensemble. Pendant. Et puis elle, c'était où elle n'avait pas plu. Bon, elle m'a toujours dit qu'elle s'était fait engueuler par sa mère. Enfin, ça était bon qu'il le racontait après. Hein. Oui, Michel venait en 48, et puis on allait ensemble, il y avait un an qu'on allait ensemble. Et c'est pour cette raison que vous voulez quitter. Oui, c'est pour ça. Nous avions été à une foire à Niort avec Michel Durier. Enfin, c'était la foire. La foire de Niort. Et puis, nous avions rencontré toute une équipe de filles de Loubrecé, Clessé, là-bas. Et puis, il y avait copine avec mes cousins, là, puis comme ça. Elle avait dit, tu viens au bal de Saint-Germain, le jour de la Sension. Ah ben oui, parce qu'elle me rappelle que ma tante qui était à Loubrecé, elle m'avait dit d'abord, tu avais une belle fille, dis donc. Là, on dit, oui, iront. Et puis, quand le jour est arrivé, parce qu'il y avait des courses cyclistes à Sauvray tous les ans, et puis, il n'était plus tout seul, allé à Saint-Germain, en vélo, tout seul. Puis, j'ai pointé. Et puis, il est venu à Sauvray, et puis, bon, parce qu'il y avait tout le temps dont on sait qu'ils dansent ensemble, mais, et puis, on les fait le journée qu'on l'a repris. Mais il y avait mis mes conditions, en fait. Il y avait mis mes conditions. La première partie de l'histoire s'achève au hasard des rencontres de la vie, des circonstances du moment, comme depuis la nuit des temps qui fait l'exception et le fragile équilibre de notre présence. Des uns et des autres, du bouleversement de ces 50 années sur ces terres de Gâtine, de cette difficile existence, des souffrances endurées au travail acharné pour cultiver ces fermes, mais aussi ces joies, ces bonheurs, ces moments partagés ensemble au sein de la famille réunie sous le même toit, de ces envies de belles réussites qui laissent à espérer un avenir toujours meilleur. Et si l'amour en était la force et la raison ?